s'approche d'une petite dépression où il n'y a pas beaucoup de vent. Là on était ces dernières heures dans du vent assez fort, qui est plus rouge. Là on s'approche du bleu clair qui est du vent faible. Bonjour à tous, ça y est, on est dans les 40e rugissements. C'est les 40e rugissants. Ouais. Pardon. Bonjour à tous, ça y est, on est dans les 40e rugissants. Alors j'ai toujours rêvé de voir des albatros, mais depuis ce matin je vois rien. Par contre, au lever du soleil, on a eu de la chance de voir ça. L'île Goff, elle a été découverte en 1731 par l'anglais Charles Goff. C'était une redécouverte parce qu'avant ça, elle avait été découverte au 16e siècle par le navigateur portugais Gonçalo Alvarez. Il y avait un moyen de faire du ski, hein. Ouais. Donc à faire, j'avais peut-être plutôt l'été quand même. Hein, il y a des colonies de phoques et d'éléphants de mer. Il y a pas mal de chasseurs en fait qui sont passés depuis à partir du 18e et 19e siècle. Et ils ont introduit des souris sans faire gaffe. Du coup, il y a 100 000 souris sur l'île. Oh le carnage! Plusieurs centaines de milliers. Centaines de milliers de souris. Ouais. Et c'est une menace pour la biodiversité de l'île. Alors là, on est à l'intérieur du bateau et je vous avais pas encore fait le point champignon depuis le départ. Regardez. Ça pousse. On est encore loin de faire une salade, mais c'est un bon début. Je pense qu'il doit pas trop aimer le froid ambiant. T'as déjà vu des albatros? Ah, des albatros. C'est comment un albatros? Un albatros, ça a des grandes ailes et puis ça bat des ailes comme ça. C'est une belle aide. J'en ai rêvé pendant 4 heures. Des albatros? C'est cool, ça.